au stade Orange Vélodrome, qui dans son ancienne formule avait accueilli une demi-finale restée mythique en 84 entre la France et le Portugal. Ah, tu veux parler de cette demi-finale à suspense gagnée face au Portugal? L'équipe de France qui a plutôt une tradition de jeu, on va dire, basé sur la technique. C'est vrai qu'on a produit des magnifiques meneurs de jeu, hein, Coppa, Zidane, Platini. C'est parti pour la première période. Paul Pogba. Ouais, bon mouvement amorcé par les Bleus. Il a vu son partenaire qui lui demande le ballon. Il choisit la frappe. Oh, le poteau! Non, non, ça ne passe pas. Juan Cuadrado. Ah, ils perdent ce ballon. Santiago Arias. Ah oui, la talonnade. Pogba. Ah, il lui redonne. Ouais, pas de soucis. Le gardien qui capte bien ce ballon. Oh, que c'est mal joué de la part du gardien. Dirait Sidibé. Pierre, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous prépare aujourd'hui? Il aime accompagner les attaques pour essayer de créer le surnombre. Et puis ça, l'adversaire a beau le savoir à l'avance, c'est quand même toujours difficile de défendre sur un joueur comme ça. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Attention à la frappe. Et le but, l'ouverture du score dans ce match, 1-0. Quel but, hein. Frappe lointaine de l'intérieur du pied qui finit à droite des cages. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Antoine Griezmann. Il s'est récupéré. Santiago Arias. Juan Cuadrado. Rafael Varane. Ouais, il est passé, bien joué. Il a du ballon, le bonhomme. Hein. Kanté. Il y a certainement quelque chose à faire là pour l'équipe de France. Ouais, c'est pour Griezmann, ça. Ouais, la tête. Ce sera sans problème, hein, pour le gardien. Il a bien anticipé, là.
Et la touche sera pour la France. Paul Pogba. Djiril Sidibé. On écarte le jeu. Pogba. Allez, qui va reprendre ce ballon. Laurent Koscielny. N'Golo Kanté. Digne. Payet. Paul Pogba. Ouais, bon timing défensif hein, sur ce tacle. Ouais, impeccable ce tacle. Un ballon qui file en touche. Nabil Fekir. Un ballon par-dessus pour la casette. Et corner, hein, ça commençait à devenir dangereux. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. L'entraîneur qui a demandé à faire un changement. Le joueur est sur le point de rentrer. Ah, les dernières consignes de l'entraîneur et la petite tape derrière la tête qui va bien. Sanchez. Torres. Il s'avance vers la surface. Ah, elle a mis beaucoup d'agressivité hein, dans cette intervention. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Dimitri Payet a animé le jeu offensif de son équipe. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation jusque-là, Pierre ? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Il vaut mieux ne pas insister et faire sortir ce joueur qui n'est plus à 100%. Ça ne sert à rien de continuer là. C'est donc reparti pour la seconde période de ce match. Les joueurs qui ont, on l'espère, rechargé leur batterie à la mi-temps. N'Golo Kanté. Paul Pogba. Digne. Les Bleus qui se font plus pressants avec ce ballon. Ils construisent, ils font tourner. Et la voilà la frappe. Oh, le sauvetage du gardien. Un bon ballon, donné de la tête. Ah non, c'est pas bien fait ça. Cardona. Ah, il lui rend, première intention. Juan Cuadrado. Ligne. Dimitri Payet. Équipe de France qui part à l'attaque. Il la joue un petit peu comme au hand. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il prend sa chance. Et le gardien qui capte bien ce ballon. Ça part bien, action dangereuse. Le tir. Ils sont passés tout près de l'égalisation. Quel dommage pour eux. Ah, la défense qui est malmenée hein, sur cette action. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils y sont absolument pas.
Ouais, bien joué, hein. Parfait ce tacle. C'est une touche à venir. Ouais, il tente un coup. Peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique, hein, face à cet adversaire. Allez, peut-être une bonne occasion. Un ballon donné en cloche pour Radamel Falcao. Et le duel est gagné par le défenseur sur cette action. Dembélé. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Falcao, les 15 dernières minutes du temps réglementaire, les 30 derniers mètres. Et tu vas donner ce centre. Falcao. Ah non, ce ballon qui passe trop haut. Oui, il ne peut reprendre le ballon que du haut de la tête et ne peut pas redresser la trajectoire. Dembélé. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Sept minutes à jouer dans ce match. Dimitri Payet. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. La passe en profondeur. Pogba, attention à la frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Et le corner, allez, pour faire le break, pourquoi pas. Paul Pogba. Allez, un dernier long dégagement du gardien. Il fait signe à tous ses coéquipiers de monter. Ouais, un bon ballon d'attaque. Choisit la frappe. Et la barre et l'action qui continue. Le défenseur qui sauve et qui dégage ce ballon. Ça y est, c'est terminé. On n'aura vu qu'un but dans ce match. 1-0 donc. On voit quand même quelques petits sourires de satisfaction, hein, même si ce n'était qu'un match amical. Dimitri Payet, qui joue un rôle extrêmement important dans le jeu de son équipe, il était attendu aujourd'hui. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.